Oh God, the track. Ah, track. Ah. Champions La Ligue des Champions, les amis. Je tiens à vous dire tout de suite, je ne comprends absolument rien. Au tirage, l'ordinateur, apparemment c'est un HP, HP sponsorisé par le Real Madrid, bon j'arrête. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour le débrief du tirage au sort de la Ligue des Champions. Nouveau format oblige, on va pas se mentir, cette toute cette entreloupe là pour nous faire croire que ouais, la Super League ce sont les méchants etc etc. C'est la Super League là, on est en, on est en plein dedans de la Super League actuellement, on va pas se mentir, c'est la Super League ça il y a de gros chocs, alors moi je m'en plains pas parce que de base la Super League, je la voulais, le format me convenait parce que j'estimais de toute façon que l'UFA, c'est pas les gentils qu'ils veulent nous faire croire. Il n'y a pas de méchants ou de gentils dans cette histoire, c'est une histoire de sous de toute façon. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse c'est le football et le football a décidé qu'il y aura énormément de chocs durant cette campagne de Ligue des Champions. Il y aura un classement, cette fois-ci c'est plus un groupe où il faudra se qualifier avec les deux premières places, mais plus un classement de la première à la huitième place. Et puis, il y aura aussi la neuvième. En tout cas, pour finir, en gros, ne, pour ne pas se qualifier en huitième de finale, faut vraiment aller fort, quand même. Faut vraiment être, comme je dirais tout à l'heure sur Twitter, le singe ultime. Pour ne pas finir qualifié en huitième de finale de Ligue des Champions, c'est que t'as, as euh, fait du gros caca, en fait, partout depuis le début de la compétition. Bref! On aura des chocs déjà pour le Barça, le Bayern à domicile, euh, Dortmund à l'extérieur. Tu auras également euh, un match piège, hein, Monaco à l'extérieur. C'est chaud parce que beaucoup de gens pensent que ouais le calendrier du Barça est si facile, mais il y a pas d'excuses, d'accord Avec ce calendrier, avec ce groupe là. Tu censé être directement qualifié avec les 8 premières places. D'accord Il n'y a pas de... Non, là, c'est piège, là, c'est pas piège. Tu as l'étoile rouge, il me semble. Tu as Benfica, c'est un match-office là aussi, un piège à l'extérieur. Il y a, y, a, y a de gros chocs. On va pas se mentir, il y a de gros chocs. Et moi, honnêtement, je suis satisfait de ce tirage-là pour le Barça. Parce que dès le début, encore une fois. Après, je pense que c'est ce format hein, de avec des champions qui se veut comme ça. Tu vas te jauger au plus haut niveau assez rapidement. Donc, tu vas affronter le Bayern à domicile. Euh, moi, je pense que c'est bien de les affronter cette année parce que le... Bayern aussi, pour une fois, c'est plus l'équipe en gros qui est sûre de ses forces depuis euh, pas mal d'années avec un groupe, avec un coach, ils ont changé de coach il y a Vincent Kompany qui vient d'arriver ils, ils ont aussi des choses à, à faire fonctionner leur équipe, tout n'est pas euh, parfait, je pense que voilà, le Barça est capable, à mon sens, euh, de battre le Bayern, même si ça reste le Bayern, ils sont capables de, euh, de battre, de renverser un match mais voilà, la dernière fois que le Barça les a croisés, euh, c'était pas loin déjà donc euh, on verra, de toute façon c'est une question aussi de momentum, comment ça va se passer mais le Bayern à domicile, à titre personnel, ça me fait plaisir. De l'autre côté, tu as Dortmund qui sera un déplacement compliqué. Aller jouer là-bas, c'est jamais facile. Mais voilà, Antiflick, Flick, c'est des équipes qu'il connaît, donc je fais confiance. De l'autre côté, tu as quand même un tirage au sort de fou furieux avec le PSG qui va affronter City, qui va affronter Arsenal. Ils vont affronter de gros. Le PSG. Euh, c'est pas. Ils ont des adversaires très 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 compliqués. Hein. On va pas se mentir. Maintenant encore une fois, c'est pas une question de tu finis dans les deux trois premiers et t'es qualifié ou pas. C'est un championnat. C'est un championnat dans lequel, ben, il y aura un classement et les huit premiers vont se qualifier. Donc, moi, je pense que en gros, les huit grosses équipes vont quand même finir par se qualifier, d'accord Même si le Paris Saint-Germain, ils ont des matchs compliqués, notamment face à Arsenal, là-bas. Euh, c'est très, très compliqué. Arsenal, c'est devenu une équipe extrêmement dure à jouer aujourd'hui. C'est l'une des meilleures équipes d'Europe, actuellement, faut se le dire. Euh, et jouer City, City, que ce soit domicile à l'extérieur, on sait qu'ils sont chauds à jouer tout le temps. Donc, le Paris Saint-Germain, euh, va falloir surveiller euh, comment ça va se passer durant cette campagne Ligue des Champions mais pas, pas facile hein, pas facile les match c'est le très haut niveau j'aurais aimé quand même voir un Paris Saint-Germain Real Madrid à, au, au Parc des Princes pour voir le retour de monsieur Kiki de Bondy mais malheureusement ça ne sera pas pour cette année, peut-être en huitième de finale, on verra le Real Madrid qui pioche euh, eux aussi, euh, Dortmund il me semble à domicile, Liverpool à l'extérieur, donc ouais, en, en, la vérité il y aura de gros gros chocs durant cette campagne euh, de Ligue des Champions dès le début, même s'il y avait déjà des chocs hein, euh, lors des épisodes précédents des Ligues des Champions. Mais là, dès le début comme ça, on va se régaler. Maintenant, on va parler un peu du Barça et de son groupe. Parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le Bayern Munich à domicile, ce qui me dérange un peu, c'est le timing. Parce que là, la première équipe que tu vas affronter... C'est le Bayern Munich, donc ça veut dire que après la trêve normalement internationale, il me semble que les premières journées de Ligue des Champions se déroulent euh, durant cette période-là. Euh, tu n'as plus de 6 euh, toute ta charnière défensive, ils sont blessés, ils sont à l'infirmerie. Euh, donc je ne vous mens pas que le timing me dérange un peu parce que je ne pense pas que tout le monde sera revenu euh, avant ce match face au Bayern Munich. Maintenant, ce n'est pas que ce match-là qui va déterminer tout le reste de la compétition. Encore une fois, tu vas affronter Dortmund là encore un déplacement très compliqué chez eux, jouer là-bas c'est très 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 compliqué avec le mur jaune, tout ça là donc tu as ça et puis derrière tu as des matchs je trouve beaucoup plus abordables que ce soit à domicile ou à l'extérieur, que ce soit les Young Boys de Berne que ça soit, même... en fait Benfica c'est un déplacement piège d'accord, mais je pense que d'ici là il y aura quand même des joueurs qui seront revenus un sifflet qui aura récupéré quand même pas mal de, de joueurs, mais pour le début là, je ne pas que ça m'inquiète un peu tu vas jouer contre Brest je trouve que là encore c'est abordable en vrai, il y a pas mal de matchs abordables dans ces adversaires que le Barça va avoir durant euh, cette campagne. Après, tu as aussi Monaco. Monaco qui a battu le Barça 3-0 lors du Gamper. Et tu te déplaces là-bas à Monaco. Alors Monaco, c'est pas non plus euh, un mastodonte, c'est pas non plus la meilleure équipe du monde, mais c'est une équipe extrêmement piège le Monaco. On l'a vu. Si t'es pas à ton niveau, Monaco, ils sont capables de t'en mettre 3, ils sont capables de t'en mettre 2, ils sont capables de te battre tout simplement. C'est une équipe solide, c'est une équipe qui ne va pas falloir minimiser. Je pense qu'on est assez bien placé pour savoir désormais. Dés dés qu'on ne va pas les minimiser. Il vient de te battre 3-0 la dernière fois que tu les as croisés. Donc il y aura peut-être un petit esprit de revanche de la part du Barça. Mais c'est encore loin. Je pense que le dernier. D'ailleurs, je pense que le dernier match dans le cal calendrier, pardon, je pense que ça va être le dernier match euh, du Barça, ce match face à Monaco. Mais on sera là pour euh, en parler en temps voulu. Après, maintenant, la vérité, les amis. En fait, ce format, il enlève un peu, je trouve, ce côté est-ce que tu vas réussir à terminer voilà premier ou deuxième de ton groupe est que parce que là il y a même plus d'europa league la vérité euh, y a, si tu réussis à terminer ta, dans les huit premiers tu es qualifié si tu finis entre 9e, je pense, et 24e, il y a un barrage. Donc tu as encore des chances de te qualifier. Et si tu ne finis pas, si même là, lors des barrages, ça ne passe pas, ben je pense que tu es éliminé. Il n'y a pas de « tu es reversé en Europa League », c'est fini ça. Donc ça enlève un peu ce stress-là de te dire que voilà, euh, tu peux quand même euh, te retrouver en Europa League si tu ne fais pas les choses bien. Euh, en fait, il y a de très grandes chances de se qualifier cette fois-ci en huitième de finale pour tout le monde. Après, ce y a bien, est bien, c'est que toutes les équipes ont désormais les mêmes chances de rencontrer les mêmes adversaires. Est-ce que c'est un point positif ou négatif, je ne sais pas, mais la réalité c'est que ça ne sert plus à rien en fait de terminer premier, euh, chapeau 1 pardon. Tu peux gagner ton championnat, tu seras chapeau 1. Tout est calculé maintenant avec l'indice UEFA. Donc on verra bien, on verra bien. Il y a des chocs, il y a des chocs. J'ai hâte quand même que ça, ça débute. Et puis, et puis voilà, les amis, on se retrouve pour le débrief du match du Real Madrid ce soir, juste après le match, en espérant un nul ou une défaite, même si je pense qu'ils vont gagner. J'espère quand même que vous ferez l'effort d'être là, même s'ils gagnent. Et puis on se retrouve, je ne sais pas si je ferai un avant-match pour le match contre le Valladolid. Ça sortira, si ça doit sortir, ça sortira euh, demain. Donc euh, on se retrouve très rapidement d'ici là. Prenez tout soin de vous et à très vite.